Eh bien, salut tout le monde, les amis, c'est Bamy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de plusieurs petits matériels que je me dois de changer parce que ça fait déjà des années que j'ai ces périphériques et que tout simplement, en fait, ils commencent à avoir des petits soucis, notamment pour la souris que j'ai juste ici. Je vous montre directement. En fait, c'est une souris sans marque que je vous avais déjà présentée, bon, tout simplement dans une ancienne vidéo. Mais cette souris, bah, commence un petit peu à déconner. Donc notamment la molette, des fois qui clique tout seul sans aucune raison, le double clic qui me fait des quadruple clics, du coup c'est chiant, les boutons sur le côté qui des fois s'activent tout seul et du coup ça me fait revenir sur une page en arrière sans que je l'ai demandé. Donc il y a plusieurs choses qui bug et c'est très énervant. Du coup je la change, c'est une souris que j'avais payé 10 € qui a tenu 4 ans, qui est très bonne, elle est assez légère en plus, pas enfin elle est non, elle est quand très convenable, mais voilà, elle commence à être assez ancienne et elle commence à avoir quelques petits soucis techniques. Donc du coup, je me dois de la changer. Ensuite, il y a d'autres petites choses que je dois changer. Il y a ce tapis de souris, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a collé un petit peu. Un petit tapis de souris à 1 € que j'avais pris sur eBay à l'époque. C'est pour vous dire que c'est pas énorme. Il m'a tenu pareil 4 ans, je lui ai eu en même temps que la souris quasiment, même un petit peu avant d'ailleurs. Et c'est le tapis de souris que j'ai depuis le début finalement. Et il tient encore très bien, il est vachement abîmé, en dessous il y a le truc pour gripper. Je sais pas si vous pourrez voir, je vous le montre directement, mais c'est complètement niqué en fait. Hein. Voilà, ça, en plus ça colle du coup. Et ça défonce mon bureau, ça laisse plein de trucs noirs dessus, de caoutchouc chelou. Donc très mauvaise qualité, mais qui m'a tenu très. Enfin le tissu est encore bon en fait, ça dérape très bien, etc. C'est très très fluide. Mais il commence à être complètement niqué le tapis de souris. Et dernière chose, il y a mon clavier. Donc le clavier c'est un Razer Destalker que j'avais acheté d'occasion à un ami à l'époque 35 €, donc c'était très convenable. Ça fait déjà 2 ou 3 années quoi, donc c'est pas trop mal. Mais pareil, des fois j'appuie sur des touches, il prend pas en compte, notamment dans les jeux, donc c'est un peu énervant. Voilà, sinon il fonctionne très bien quand même encore. C'est un clavier de secours on va dire, je vais le garder pour l'instant. Mais c'est un très bon clavier en lui-même, en plus j'adore les touches plates comme ça, donc c'est dommage. Il commence un petit peu à déconner au niveau de certaines touches. Des fois, ouais, il faut que j'appuie 3 fois avant qu'il y ait une touche qui se mette en route. Je pense notamment au tab qui bug, le échappe marche pas très très bien. Mais le reste, sinon, ça allait encore. Clavier, c'est pas le plus important, mais bon, je change la souris, je change le tapis de souris. On change tout d'un coup. Écoutez, en plus, j'ai trouvé un super pack avec les 3 d'un coup, donc c'est cool. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Voilà, les amis, on se retrouve pour le petit unboxing donc. C'est parti du clavier, alors je vous préviens, c'est que du ROCAT, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. C'est juste parce que j'avais un pack avec que des claviers, enfin que des périphériques blancs. Et il n'y avait que ROCAT quasiment qui faisait des claviers comme ça. En plus, c'est de très beaux claviers qui clignotent dans tous les côtés, c'est joli. Non, mais ça va très bien avec les LED que j'ai acheté. Je vous ferai une vidéo setup de toute manière bientôt. Voilà, tout va très bien ensemble. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas justement faire une petite. Tout en blanc. Voilà, j'ai la Xbox en blanc, j'ai le PC en blanc, l'écran qui est blanc aussi. Donc pourquoi pas tout mettre en blanc. Donc je suis en train de tout passer en blanc. Le tapis de souris, bien sûr, on peut pas, j'ai pas pu trouver blanc. Donc du coup, bah c'est un tapis de souris noir basique, normal, parce que les capteurs, les souris laser n'adhèrent pas au blanc. Donc, enfin n'adhèrent pas, ne détectent pas le blanc du moins. Donc c'est embêtant. Donc du coup, un tapis de souris noir, mais bon, ça fera pas tâche. Et les enceintes sont noires également. Voilà. Et aujourd'hui, on va ouvrir les colis avec ça. C'est un. Vous savez, c'est un truc, une lime à ongles, voilà. Donc, on va commencer par le plus simple, ce que vous attendez le plus, le petit tapis de souris. Voilà, c'est tout nul. Alors, oui, effectivement, je ne sais même pas. Bah, j'ai même pas besoin, regardez. Hey. Hop là! Donc, voilà, c'est un Ciru, ROCAT Ciru. Donc, c'est un petit clavier de souris que j'ai eu dans un pack. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais voir un peu à quoi il ressemble. Je voulais pas un tapis de souris qui aille sous le clavier, parce que vu que je bouge souvent le clavier pour manger devant mon écran, bah je voulais pas voilà que j'ai à chaque fois à déplacer le tapis de souris. Donc un petit tapis de souris, c'est très bien. Hop, on va prendre le alimang de la moitié et on va ouvrir ça. Hop, tac tac tac. Et puis après, je vous ferai bien sûr l'essai sur le PC directement. Hop, c'est nickel. Hop, on met ça sur le côté, ça en jette par terre le petit scotch. Hop là, il n'y a plus rien dedans. On va vérifier. Non, pas un petit cadeau, je sais pas, une Xbox ou. On sait jamais. Et voilà le petit clavier, assez grand finalement. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, ça va me changer comparé à celui-là. Déjà, il est un peu plus grand quand même. Je vous laisse voir directement sur la vidéo. Mais voilà, il est beaucoup plus grand. C'est pas la même texture, là, c'est vraiment lisse. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal.
C'est une surface lisse, à moins qu'il y ait un truc à retirer, non? Je sais que derrière il y a le truc à retirer pour que ce soit, ça grippe tout simplement, qu'on va retirer maintenant d'ailleurs. Voilà, hop là. Et là normalement, ça accroche. C'est nickel. Bah c'est pas mal du tout, dis donc. Ah ouais. Oh, ça fait bizarre que ça glisse. Mais justement, je voulais un tapis qui glisse, qui change un petit peu de ce que j'avais. C'est pour prendre la même chose, ça sert à rien, au même moment. D'ailleurs, je vais jeter le tapis de souris pour l'instant. Hop. Donc voilà, un bon petit tapis de souris qui a l'air plutôt pas mal. J'attends de l'essayer, bien sûr, avec la souris qu'on va déballer maintenant. Hop là. Alors j'essaye d'aller assez vite, hein, le tapis de souris, on s'en fout un peu. Je vais pas vous mentir, c'était, de toute façon, c'était inclus dans le pack, hein, tapis de souris. C'est pas celui-là qui m'intéressait, je vais pas vous mentir, je voulais... Lui, il était inclus dans le pack, c'était quasiment offert. De toute façon, j'ai essayé, en fait, j'ai mis le clavier et la souris dans le panier. Ça revenait à 2€ plus cher avec le tapis de souris. J'ai fait pour 2€, vas-y, prends le tapis de souris, change-le, le tien est mort, de toute façon, ça sera pas pire. Donc voilà. En plus, ça va me changer d'avoir une surface lisse. Alors, je l'ai pas ouvert. J'arrive pas à l'ouvrir, mais dis donc. Alors, bah, Mio, t'es pas très bon, dis donc. Avec une lime à ongles, c'est pas facile, hein. C'est pas un couteau. Hop là. Ça fait l'affaire, hein, ça marche. Comment ça s'ouvre, dis donc. J'espère, enfin, je veux juste paniquer la boîte, en fait. Bah alors. Voilà. Donc c'est une souris Kova. J'ai pas dit encore la marque, mais c'était une Kova. Donc rouge, enfin qui s'écarte dans tous les sens. Ça va jusqu'à 7000 dpi. Bon, je m'en fous. La mienne allait jusqu'à 2000 et jamais j'allais jusqu'à 2000 parce que c'est trop rapide pour moi. Du coup, ouais, je... Ah non, 7000, justement, c'est très lent. Quand tu vas à 7000 dpi, c'est pour être très précis. Hop là. Y'a plus rien. Mais voilà, ça, moi les dpi, je m'en fous complètement. Donc là, il y a un petit document d'installation. Alors, il n'y a pas de CD à l'intérieur. Ok, pas de souci. De toute façon, alors, ok, il y a ça retiré. Et voilà la belle souris. Ouh. Hop, on va retirer ça. Je vous montre exactement. Ah, ça tombe, tout tombe. Hop là, voilà. Oh là là, elle est magnifique. Je vous laisse voir par vous-même directement. Mais elle est ouf. Elle est pas mal du tout, cette souris, donc. Et c'est exactement ce que je voulais. Les boutons sur le côté. Il y a un double clic. Alors ça, j'imagine, ça fait office de double clic. Le bouton de la molette pour changer les DPI, j'imagine. Il y a un bouton droit également. Oh, il y a des boutons de tous les côtés. C'est trop bien. J'adore. Donc voilà, super souris en tout cas. Oh là 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 là. Et j'imagine dans ma salle, on va voir ça tout à l'heure. Ça sera encore plus joli. Même si bon, je suis pas super fan des LED. Mais en blanc, elle claque sa mère. Elle claque sa mère. Et maintenant, on va terminer par le clavier. Je fais assez vite, je suis désolé parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans l'appareil. Et de toute façon, on s'en fout, hein. Je vais pas rester 2 ans sur la souris. Surtout qu'on va la, je vais la remontrer après. Donc, il n'y a aucun intérêt. Tac, tac, tac. Voilà, donc c'est un Iskou FX. Donc, voilà, qui s'allume de toutes les couleurs. 16 millions de couleurs, attention. Même si j'en détecte que 50, moi, tout cassé, des couleurs. Je suis pas daltonien, mais les nuances de couleurs, franchement, ça, ça me passe par-dessus. Enfin, j'ai du mal à aller voir. Niveau couleur, moi, vous savez, vous mettez une photo saturée, je trouve que c'est déjà une belle photo, moi, donc je suis pas très... Voilà, une photo très saturée, vous êtes sûr que je vais kiffer. Je suis pas très difficile, on va dire. Donc voilà. En tout cas, clavier blanc, tout va ensemble, bien sûr. Un bon pack, un bon petit pack, je suis en train de déglinguer la boîte, mais alors complètement. On va poser la lime à ongles de la moitié. Hop là, une boîte peut en cacher une autre. Donc c'est très très... En tout cas, j'adore leur packaging, ils sont vraiment sympas, c'est bien. Bon, c'est un packaging, ils doivent payer des mecs pour le faire, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi bien. Ah ouais, c'est vraiment classe. C'est bien emballé en plus, quand je l'ai reçu, c'était cool. Oh, oh, je vous laisse la petite surprise. Oh là 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 là. Non, je vous laisse pas la sortir. Je déglingue tout. Bon, pareil, il y a le petit manuel, pareil, on va mettre ça à côté avec la lime de la moitié. Par contre, le câble, comment ça se passe? D'accord. Hop là. Oh, tiens, le film. Oh, c'est un truc anti-statique. Bah, ça, c'est pas mal, c'est pratique, ça pourra me resservir. Et voilà, le clavier de la moitié. Oh, c'est énorme. Énorme. Alors, il y a ça à se retirer. Hop là. C'est génial. Ça colle, cette merde. Ah, il y en a encore un autre. Wouh! C'est ouf. En plus, on peut... Je vois que là, il y a un petit bouton lumière. Donc,
J'ai marqué Bamiyu 95 pour ceux qui ont remarqué. C'est énorme. Énorme. Il est... Je m'attendais pas à ça. Bon, les touches en haut sont plutôt pas mal. Pour augmenter le volume, ça c'est très pratique. Très très pratique, ça peut être sympa. Un bouton rec, donc ça doit servir... sûrement on peut mapper une touche pour... dire par exemple à Shadowplay d'enregistrer, donc c'est très pratique pour moi qui fais des vidéos, moi même si j'en fais moins sur de gaming en ce moment. Je vous montre directement à la cam ce que ça peut donner, mais je vous remontrerai en détail tout à l'heure dans la lumière, parce que là il fait un peu sombre, mais c'est dehors, il fait mais noir noir noir, il pleut mais comme vache qui pisse. Il est 14h, hein. Donc voilà. Il est magnifique, je vous montre le dessous. Bon, le dessous est noir. Oh, alors, si je dis pas de conneries, je dois dire une goutte. Non, on peut ranger les câbles. C'est génial. On peut ranger les câbles là-dedans. Donc si par exemple, je sais pas moi, vous voulez faire passer le câble de la souris par exemple, on le fait passer ici, tac tac tac. La souris comme ça sera coincée. Ça peut être pratique. Ça peut être très pratique comme ça si vous voulez faire du câble management, c'est pas mal. Ok ok, bah ça c'est cool. Vous voyez, un petit détail que je savais pas, je m'y attendais pas. C'est cool. Donc bien sûr pour le clavier, moi c'est pas mon kiff, hein, je vais pas vous mentir. Oh, quoi qu'il est pas très... Non, il est pas... Hey, il est génial. Et des touches, bien sûr, M1, je sais pas si vous les voyez, mais M1, M2, M3, M4, M5, hein, comme les armes. Et voilà, ça c'est pour mapper des touches, des macros, ça s'appelle. J'avais déjà ça sur l'ancien clavier, je m'en suis jamais servi, les macros, je m'en branle. Je vais pas vous mentir. Moi, c'est pour la beauté du clavier, blanc, ma chambre est blanche, ça va nickel. Bah, là, en plus, c'est un blanc neuf, quoi, donc c'est cool. C'est... Oh là là, il y a plein de petites touches. Hop. Alors à mon avis, je vais beaucoup me tromper avec le M4 par contre pour courir, pour shift. Ah ouais ouais, alors attendez, il va falloir que je m'habitue, mais oh là là, il fait un peu de bruit quand même. Mais c'est pas grave. Là, après il suffit de mettre un petit peu de mousse en dessous. Ah bah c'est déjà un petit peu ah d'accord, c'est déjà un petit peu Ouais, bah c'est très bien. C'est très bien. J'essaye ça, je vous mets tout en place et je vous retrouve juste après. Re les amis, on se retrouve donc sur le bureau. Je vais mettre que cette caméra par contre pour la fin de la vidéo, étant donné que je veux vous montrer le bureau, donc ça sert à rien que je filme également et bien ma tête. Donc du coup, vous voyez l'écran, vous voyez le clavier que j'ai eu du mal à configurer. La souris c'était parfait, il y avait un petit logiciel à télécharger. Le clavier j'en ai bien chié ma race, ça fait déjà bien... Bah, je vous ai dit tout à l'heure 14h, ça fait déjà bien une heure que j'essaye de télécharger les mises à jour, les pilotes, le logiciel pour changer les couleurs et les paramétrages, les macros, les choses comme ça. Voilà, donc c'est assez compliqué pour le clavier. La souris ça s'est fait assez rapidement, je l'ai branché, je suis allé sur le site pour les pilotes, j'ai téléchargé, ça s'est fait en 5 secondes. Voilà, alors j'ai quelques petits regrets quand même, c'est au niveau de la souris, avant que je commence à vous montrer le logiciel etc, c'est que pour l'instant c'est très bien, et j'imagine que c'est parce que c'est neuf en fait que ça fait ce petit problème, mais c'est que quand je fais ça par exemple, bah regardez, la souris se remet comme ça, et c'est assez embêtant parce que voilà, je suis pas forcément tout le temps droit. Donc la souris, des fois quand j'arrête de toucher, bah elle se décale un peu. Et c'est assez problématique, notamment par exemple si je fais comme ça. Bon là ça le fait de moins en moins, mais quand je venais de l'ouvrir, regardez là en fait par exemple, je sais pas si vous voyez le curseur, je vais le mettre dans les nuages. Je sais pas si... Voilà, par exemple, je veux laisser le curseur là-dessus, je sais pas pourquoi. Hop, mais imaginons que j'étais debout, voilà, et j'ai fait ça rapidement. Hop, et ben ça va me décaler ma souris, parce que le fil en fait est un peu trop raide, et pas assez souple en fait, mais ça c'est parce que c'est le début, vous voyez comment l'est le fil. Il est super dur pour l'instant en fait. Et il va se détendre j'imagine, parce que c'était pareil avec mon Razer que j'avais à l'époque, le casque que j'avais. Il était tressé pareil, et était ultra dur au début, et puis il s'est assoupli à force. Et même il y a un moment il fonctionnait plus parce que le câble à l'intérieur était bousillé. Enfin voilà. Donc sinon c'est très bien. Le clavier j'ai encore un petit peu de mal, et je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que j'allais avoir du mal avec les touches, à savoir les repérer etc, mais ça va arriver assez vite, d'ici 2 semaines c'est bon, je le maîtrise on va dire. Mais voilà. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué, il fait pas trop de bruit, j'avais peur en fait, mais les touches sont vraiment assez plates, en fait c'est pas trop c'est pas désagréable en fait. Voilà, donc le deuxième petit regret que j'ai, que je viens de découvrir, du coup en paramétrant tout ça, c'est qu'en fait il y a un logiciel donc pour la souris que voilà, et il y a également un logiciel pour le clavier. Alors j'imagine qu'ils auraient dû faire un seul et même logiciel, celui d'en haut par exemple, parce qu'il est un petit peu plus sympa je trouve. Hop là. Pour les deux en fait, mais en fait on se retrouve avec deux différents, et en plus vous allez rien voir parce que c'est écrit en tout petit, c'est pas adapté pour la 4K, et mon PC je suis en 4K actuellement, bon ça c'est un petit défaut mais c'est pas grave, de toute façon une fois qu'on a paramétré on change très rarement je pense les couleurs, les trucs comme ça, mais voilà, donc c'est deux logiciels, celui de droite le iSCU, j'ai eu beaucoup de mal à l'installer, j'ai dû en faire des redémarrages, 3 ou 4 démarrages,
aller chercher plusieurs pilotes, faire des... C'est très compliqué. Je pensais que ça allait être automatique, un plug, et hop, ça nous s'installe tout d'un coup, mais c'est très compliqué finalement. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus, mais sinon ça reste de très beaux produits. Là, pour l'instant, je suis plutôt content. Vous avez vu, j'ai mis du rouge ici et du bleu, c'est paramétrable indépendamment. Vous voyez qu'en fait, là, sur l'écran directement, j'ai mis le bleu devant, mais si vous voulez, je peux changer de couleur, je peux mettre du vert, allez, imaginons. Du vert sur la molette, et je vais mettre, donc à l'arrière, qu'est-ce que je peux mettre? Du orange. Quoi, vous avez peut-être pas. Voici, allez, c'est parti. Hop, je fais appliquer. Et voilà, vous avez du orange derrière et du vert devant. Ça fait très, c'est très joli comme ça d'ailleurs. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Après, vous avez quelques effets également. Par exemple, on peut mettre en respirant. Donc là, la souris va clignoter en fait. Hop, normalement. Voilà, ça clignote. Ça, comme une respiration finalement. Donc là-dessus, c'est assez bien. Il n'y a pas beaucoup d'effets par contre. Parce que je compare un petit peu à la Corsair que je connais un petit peu. J'ai vu quelques vidéos dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'effets par rapport à ce que fait Corsair. Mais voilà, après bon, ça, les effets, franchement, je vais quasiment jamais aller dedans. Là, c'est clignotement normal. Vous voyez. Et sinon, bah, c'est soit fully lit. Voilà, donc allumé tout le temps, en fait. Voilà. Et ça, c'est ce que je préfère, ça fait moins mal aux yeux. Vous avez également le blinding. Non, non, pardon. On peut également mettre un color flow, donc ça va changer de couleur automatiquement, en fait. Voyez, ça change de couleur. Et ça reste allumé parce que j'ai sélectionné l'effet rester allumé. Mais si je veux que ça change de couleur, mais également que ça... En plus, c'est très bien parce que c'est assez assez régulier, ça va, ça change assez... ça change bien, on va dire, ça change pas, ça passe pas du rouge au vert, vous voyez. Bah, ça va orange, voilà, c'est très, très bien fait. Donc on va mettre par exemple en respiration et ça va changer de couleur en respiration. Vous allez voir. Voilà, oui, ça change de couleur. Alors, on va essayer d'attendre un petit peu encore, vous voyez. Hop, et ça fait ça en respiration. Donc voilà, vous pouvez... Mettre plusieurs effets en même temps, vous pouvez bien sûr désactiver toute lumière. Hop, comme ça, bon, ben voilà, hein. Il n'y a plus de lumière. Moi, je vais les mettre. Hein. J'ai payé la souris quand même. Elle coûte quand même 60 euros, je crois, de souvenir à souris. Ouais, quand même, on va laisser. On peut augmenter bien sûr la vitesse. Hop, je vais vous montrer ça. Là, ça va le faire super vite. Voilà, le changement de couleur, du moins. Hop là. Enfin, non, je crois que c'est même l'effet qui se fait super vite. Voilà. Bon, encore une fois, je préfère largement quand c'est allumé normal. On va retirer le flot de couleur. Bon, voilà, le logiciel n'est pas super dur à comprendre là-dessus, donc là ça va, je vais pas vous mentir. Ensuite, donc là il y a plusieurs choses à changer et y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vous savez qu'on a donc plusieurs boutons et on a également un bouton juste ici en fait qui vous permet tout simplement en fait de changer le DPI de la souris. Vous voyez, par l'instant c'est comme ça. Hop, si je fais ça, vous voyez la souris se balade. Mais si je fais ça, hop, c'est beaucoup plus rapide. Et là, waouh, je bouge un tout petit peu, ça fait déjà tout l'écran, vous voyez. Donc on peut changer la souris, là, je fais ça, c'est... Bon, voilà, vous pouvez changer directement le DPI. Et vous pouvez bien sûr le paramétrer. Voilà, donc tout est ici. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer d'augmenter. Voilà, vous avez donc juste ici le DPI que vous pouvez modifier en fonction des... En fait, vous voyez, là, on a la jauge, je vous montre directement parce que je suis pas sûr que vous voyez. Et là, par exemple, je suis sur ce paramètre-là. Quand je vais appuyer sur le bouton pour changer de DPI, ça va me mettre sur la barre d'en dessous. Et ainsi de suite, et hop, ça revient en haut, etc. Et on peut paramétrer à chaque fois le nombre de DPI en allant de 250 à 7000 DPI pour chaque clic qu'on fait sur le bouton de changement de DPI. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc moi, je vais me remettre en troisième, c'est ce que je préfère. Et c'est plutôt sympa. On a également donc la vitesse de double clic. Donc si... bon, moi, je vais laisser de base, mais on peut changer pas mal de choses. Également pour la molette, pour si on veut que ça scrolle plus vite avec un tout petit mouvement ou pas. Donc vraiment tout est paramétrable. Donc là-dessus c'est plutôt cool. Ensuite, tac tac tac. Je sais qu'on peut faire d'autres choses. Voilà, on peut changer les touches. Par exemple, on peut par exemple si le clic, donc ça c'est le clic, je veux le changer. Hop, je fais ça. Et je peux tac tac tac. Alors je peux pas la supprimer celle-là. Bon. Enfin voilà, vous avez compris, je peux paramétrer mes touches, mettre des macros tout simplement. On a même un macro manager juste ici qui me permet par exemple en fonction des jeux qu'on va lancer. Par exemple, là non, il n'a pas détecté les jeux que j'avais sur le PC, c'est des jeux comme ça. Et ben, on peut sélectionner un jeu et mettre que si je joue à ce jeu, et bien tout simplement, il y aura des touches particulières qu'on peut importer d'ailleurs. Les personnes qui ont fait des configurations, on peut les importer et les déplacer pour les utiliser dans certains jeux. Comme ça, dès que vous avez un jeu, vous téléchargez une configuration. Ça vous correspond, vous essayez, vous avez juste à l'importer, vous la mettez dans le logiciel et vous pourrez essayer en jouant par exemple, je vais prendre Dragon Age,
Et bien sur Dragon Age, si je lance le jeu, j'aurai la configuration que j'ai mise dans le logiciel pour ce jeu. Et ça peut être une configuration personnalisée, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, alors ça c'est pas des choses que j'utiliserai, hein, parce que je suis pas aussi fan, enfin je suis pas, je cherche pas la performance, moi je cherche le confort, et la souris est très bien, très légère. J'ai pas vu, on peut pas changer les poids malheureusement, c'est dommage, hein, c'est un petit peu ce que j'aurais bien aimé. À la limite les poids, ça m'aurait bien plu. Voilà, en tout cas c'est très joli. Donc voilà pour la souris. Hop, pas grand chose d'autre à vous dire. Celui-là, je peux pas l'agrandir, je suis désolé, je vais essayer de vous montrer au maximum. Donc déjà pour le clavier, en fait, c'est plutôt sympa. Je vous ai dit tout à l'heure que ça c'était un bouton pour enregistrer, en fait il y a marqué REC dessus. C'est pas un bouton pour enregistrer par exemple une vidéo, c'est pas un bouton qu'on peut configurer, le souvenir. Mais c'est un bouton en fait qui permet d'enregistrer des macros. C'est-à-dire que vous appuyez dessus, vous faites voilà, vous appuyez sur trois touches en même temps et ça va enregistrer dans le logiciel, dans le bon onglet en fait tout simplement, eh bien une macro. Voilà, et ça permet d'enregistrer directement. C'est beaucoup plus rapide que de chercher la touche dans le logiciel en faisant défiler toutes les touches qui existent. Mais voilà. Donc là, on arrive dans le premier onglet en fait du logiciel. Donc c'est RocketXQFX en fait, c'est le nom du clavier. Driver en fait, le logiciel. Donc il est assez compliqué à installer, j'ai eu des bugs, je sais pas si c'est parce que je suis en 4K ou si c'est parce que je suis sur Windows 10 qui n'est pas encore configuré à fond sur Windows 10, mais il est censé être compatible. Donc voilà. En fait, vous avez donc les touches M1, M2, je vous montre parce que je suis pas sûr que vous voyez, mais M1, M2, M3, M4, M5, et sur le clavier on a M2, M3, donc c'est macro 1, macro 2, macro 3, et on peut choisir, et eh bien tout simplement, un preset. Voilà, tout simplement, on peut choisir des profils. Et changer, par exemple, si j'appuie sur M1, ça va me faire une configuration de touche assez particulière. Ça veut dire que si j'appuie sur M1 et que j'ai configuré le fait que quand j'appuie sur M1, ça me fasse Shift Tab pour m'ouvrir Steam, par exemple, quand je suis dans un jeu, et ben ça peut marcher. Au lieu d'appuyer sur deux touches par exemple, m'ouvrir la carte de la galaxie dans le jeu, ben, j'appuie sur M1 et ça m'ouvre l'onglet Steam. Et donc ça peut être pratique. Et voilà, donc tout ça des macros, on peut en configurer 5 différents, donc sur les touches là. J'imagine qu'il y a d'autres, il y a deux, en fait il y a deux types de macros. Il y a les macros configurables sur des touches et il y a des macros tout simplement. Par exemple, si je fais une combinaison de touches, j'appuie sur espace, shift droit et Y, par exemple, je sais pas, hein, par exemple, et ben ça va me fermer l'application comme un Alt+F4. Voilà, donc ça peut être deux touches de trucs configurables, bien sûr, absolument configurables. On peut créer des profils, vous voyez, profil name, on met les exécutables par exemple, hein, si on veut ouvrir un fichier avec une certaine macro. Et ensuite, on la place directement ici et ça permet de mettre la macro. Donc là-dessus, c'est plutôt pratique. En plus, on a T1, T2, T3, donc on a 8 boutons paramétrables. Là, il y a des boutons en fait macro également qui sont un peu plus proches. Ça peut être pratique. Ensuite, donc ça, c'était pour la configuration des touches. Pareil pour là, si on veut changer eh bien, tout simplement le W, eh bien, on veut que ce soit Z parce que là, c'est en version anglais. Voilà. Et je peux changer n'importe quoi. Par exemple, si je veux mettre une macro pour un jeu, je peux le faire. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà. Et sinon, je peux assigner une touche raccourci. Donc c'est franchement, c'est vraiment pratique. Et ça, c'est les macros dont je vous parlais tout à l'heure. On a les macros qui se configurent sur les touches et les macros qu'on peut configurer avec plusieurs touches, à plusieurs assignements. Donc c'est cool. Ensuite, donc on a les keys, pareil. Voilà, on peut configurer vraiment tout le clavier. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne changerai rien. Hein, c'est déjà très bien. Et là, donc on arrive à autre chose intéressante pour changer de couleur. Pour ceux qui aiment bien les couleurs comme moi, j'aime bien quand ça clignote partout. C'est un petit détail qui fait son importance. Eh bien, on peut configurer ici. Tout, 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 tout. Donc là, on peut choisir par exemple des couleurs uniques. Donc, par exemple, je vais mettre vert. Je vous montre beaucoup de vert parce que ça se voit beaucoup. Et je veux que ce soit vert, mais en clignotant. Hop, bah je configure ça. Je fais appliquer. Et voilà. Et là, c'est vert et ça va clignoter. Par contre, j'ai pas trouvé comment on changeait les couleurs de P1, par exemple, les touches là et là. Un petit peu dommage, j'ai pas trouvé. Donc peut-être que je trouverai un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut également faire des couleurs personnalisées. Par exemple, si je veux. Alors est-ce que je vais trouver... Je veux... Ah là là, je sais pas trop. Je veux un violet PD. Hop, imaginons. Tac, je fais ça et ça me met un violet. Et vous voyez, c'est plutôt cool. Et pareil, je peux faire un color flow, c'est-à-dire que ça change de couleur de temps en temps. Et... Oh, je vais retirer juste la respiration. C'est pareil que la souris. C'est juste dommage, comme je vous l'ai dit, que ce soit pas sur le logiciel de la souris le même. Parce que c'est un petit peu dommage. Je trouve, ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà, donc là ça change de couleur, bon c'est très léger, ça va pas très vite, j'imagine qu'il y a moyen de changer la rapidité. Ensuite donc on a la brillance du clavier, on peut mettre si on veut que ce soit moins brillant pour la nuit, je sais pas, hop voilà, on peut configurer donc de 0 à 100%, je laisse à fond pour le moment.
Hop là. Ensuite, on peut configurer quelque chose de très important. Par exemple, si vous n'utilisez pas votre clavier, eh bien, on peut configurer le fait que la luminosité des touches diminue au bout de 15 minutes. C'est juste là, on peut mettre que ça, au bout de 15 minutes, ça, l'illumination sera à 20% de l'éclairage total. Donc ça peut être pratique, ça évite de niquer toutes les LED au bout d'un an. Et bien voilà, et en plus ça fera une petite économie d'énergie. Voilà. Et on peut également donc activer du son. Alors j'ai vu qu'il y avait du son, pareil sur la souris. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Peut-être que ça fait quand on clique par exemple, qu'on appuie sur une touche, ben, ça va tout simplement faire du son dans Windows. Je ne sais pas du tout. Enfin voilà. Donc déjà il y a ça. Après c'est vrai que je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé que par exemple il y ait un effet qui on appuie sur une touche, ça va faire une vague, ou on appuie, ou alors des, vous savez, des effets un peu comme ça, j'aurais bien aimé ça. J'avoue que là j'ai pas trouvé, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça je sais absolument pas ce que c'est. Et là donc on peut mettre à jour les drivers ou des choses comme ça. Voilà, donc j'essaierai de regarder un petit peu le clavier, etc. de configurer un petit peu mieux, et puis je vous en reparle peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, bah moi je vais vous laisser, je vais pas vous faire une vidéo de 35 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis salut tout le monde, les amis, et à une prochaine. Ciao tout le monde!